présence ici nombreux et nombreuses. Allons-y, on présente. Alors, on commence. Alors, je suis Monsieur Bourdin, je suis professeur géographie, je suis âgé, donc je joue qu'au mécano et au Lego, je ne sais absolument pas jouer aux jeux vidéo ni à Minecraft, et pourtant, j'ai pu réaliser, grâce à l'apport de Kevin qui va se présenter, un atelier Minecraft. Donc on peut faire un jeu, une animation vidéo sans connaître absolument le jeu Minecraft. La preuve, j'en suis la preuve vivante. Vous avez un spécimen rare. Moi, je m'appelle Kevin Martin Izarn, je suis animateur dans une MJC, plutôt dans tout ce qui va être de domaine multimédia et participation des habitants, de jambes sur lesquelles je marche pour dans la MJC, l'usage du numérique et des outils numériques au service du recueil de la parole des habitants, de l'animation d'un territoire. Et du coup, voilà, j'ai initié une démarche que Jacques a découvert par la suite, ce qui nous a permis de construire quelque chose en lien éducation populaire et éducation nationale. Donc on va vous présenter aujourd'hui. C'est parti. Alors tout a commencé par une rencontre avec deux personnages, donc Kevin et moi-même. Donc comment ça s'est passé? J'avais, dans le cadre de mon programme de géographie, j'ai organisé un stage pour les enseignants, un stage de formation pour les enseignants en géographie, dont le thème était le renouvellement urbain. J'avais contacté le maire d'une petite commune qui s'appelle Chenove, qui est au sud de Dijon, dans la rive de Dijon. Et de cette commune, j'ai rencontré le maire, on a fait notre stage de formation avec les enseignants, tout s'est très bien passé, et le maire m'a dit, tu devrais rencontrer, on suit toi avec le maire, tu devrais rencontrer Kevin, il anime un atelier Minecraft sur la rénovation urbaine. Je dis, ah, ça m'intéresse, je suis allé voir Kevin, je suis allé voir son atelier, je suis tombé sous le charme évidemment de Minecraft, et du coup est née notre collaboration entre deux choses, l'éducation nationale en géographie particulièrement, prospective urbaine, et Kevin qui s'occupe donc de sa MJC et de justement de cette problématique de rénovation urbaine avec Minecraft. Donc comme vous l'avez compris, on a commencé déjà côté MJC par une démarche que je vais vous présenter ici. Alors, il faut comprendre qu'en fait, le contexte de la ville, Chenauve, c'est une ville qui touche Dijon, sud-dijonnaise, mais qui a la particularité d'avoir un quartier prioritaire. On connaît la dénomination ZUP, qui a la spécificité en plus d'être d'intérêt national, donc vraiment un quartier prioritaire qui est très regardé par les services de l'État. Et ce regard de l'État sur ce quartier a permis d'intégrer le quartier dans ce qu'on appelle des plans de renouvellement urbain, des plans nationaux de renouvellement urbain. Ce qui veut dire beaucoup de moyens qui sont mis en place sur le quartier de la ville pour faire des démolitions et des reconstructions, une grosse reconfiguration de la ville de Chenauve. Un premier a eu lieu, si je ne dis pas de bêtises, première moitié des années 2000. Et là, actuellement, on est en plein dans le nouveau programme de renouvellement urbain qui est actuellement en cours. Donc voilà, gros changement depuis 20 ans. Donc comme vous voyez, voilà, toute cette zone-là, donc Chenauve, là-bas on a Dijon, Chenauve est au sud, et donc tout ce quartier-là, ici, depuis un peu plus de 20 ans, connaît des démolitions. Donc ça, c'est une photo qui date, bâtiment démoli, rénové, démoli, bref, beaucoup de choses qui ont été très changées, et notamment l'arrivée du tram qui passe au cœur de cette cité, avec un arrêt au bout. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Tout simplement parce que nous, en tant que MJC, on essaye d'associer les habitants en recueillant leurs paroles et essayer de voir avec eux en fait ce qui se passe dans leur ville pour recueillir leurs paroles, voir ce qui est fait, est-ce que ça correspond à leurs attentes, leurs désirs, leurs besoins, organiser des débats, faire discuter tout le monde pour que finalement le renouvellement urbain ne soit pas subi mais qu'il s'y associe le plus possible. Donc travail de la MJC, mais également en collaboration avec la ville de Chenauve qui fait aussi ce travail-là. Autocritique tout de même faite après le premier plan. Le premier, voilà, on avait trouvé sur les retours que l'association des habitants n'avait pas été super. Donc là, sur le nouveau plan actuel, grande démarche d'association des habitants. Le problème qu'on a rencontré, c'est que pour discuter de ça avec des adultes du quartier, ça va. Mais avec les plus jeunes, tranche d'âge 12-15 ans, très difficile de mettre des mots en fait sur l'urbanisme, sur ce qui se passe dans la ville. Voilà, c'était un peu trop abstrait juste d'en parler avec les pré-ados et ados. La solution a donc été peut-être
c'est ce qu'on a expérimenté, d'utiliser les jeux vidéo. Pourquoi pas essayer de recueillir la parole des plus jeunes à travers ce média-là. Alors les tentatives ont été multiples. Première chose qui a été tentée, c'est avec SimCity, donc un jeu de simulation de construction de ville, de gestion de ville, où tous les aspects sont représentés, plus ou moins fidèlement, Jacques pourrait préciser. On est sur une vision urbaine très américano-centrée, mais ça permet quand même de voir tous les différents aspects qui peuvent être gérés dans une ville, que ce soit l'énergie, le transport, l'eau, la santé, l'éducation, enfin beaucoup de choses. Donc voilà, première expérience dans les années 2015, où je faisais des ateliers pendant les vacances, et ce qui permettait en fait à travers le jeu d'avoir ces aspects de gestion d'une ville sur lesquels on pouvait s'appuyer avec les jeunes pour ensuite discuter de ce qui se passait dans leur ville à eux. Comme je le disais juste avant, vision de la ville très américano-centrée, donc quelques difficultés pour reproduire finalement ce qui se passe dans leur ville à eux, et de transposer ce qu'on voit dans le jeu à leur quartier. Voilà, donc là vous avez une image du jeu SimCity, vraiment ville des grands... L'américaine. À l'américaine, les grands boulevards, les lignes droites, c'est basé sur une grille de construction, donc les angles droits et compagnie. Genove, on n'est pas tout à fait... J'ai jamais utilisé SimCity en classe, même si j'étais un peu vieux, en classe, mais c'était le modèle américain qui ne m'allait pas, donc j'ai abandonné SimCity. Alors, l'utilisation du jeu a quand même permis de faire rencontrer le groupe de jeunes avec le directeur de la cohésion sociale et urbaine à l'époque, qui gérait en fait le renouvellement urbain. Si vous voulez, il parlait un petit peu le même langage, puisqu'en plus, lui étant joueur aussi de SimCity, l'échange était facilité parce que les jeunes, à partir de l'expérience du jeu vidéo qu'ils avaient, voyaient un petit peu les différents aspects à gérer dans une ville. Et l'échange avec ce directeur des services municipaux a pu se faire sur un après-midi et c'était très intéressant. Mais c'était pas tout à fait encore ce qu'on voulait, c'est pour ça ensuite que l'idée est venue d'utiliser Minecraft. Alors Minecraft pour plusieurs raisons, d'abord, déjà très populaire, modulable, on a des cubes, on les empile. Moi je prends l'image d'un bac à Lego sans fond, donc on pioche nos cubes et puis on les empile. Et on construit à peu près comme on veut. Modulable parce que Minecraft sur ordinateur, sur PC, peut voir installer des mods, ce qu'on appelle des mods, qui sont en fait des ajouts au jeu de base, qui permettent de rajouter des blocs, de rajouter des fonctionnalités pour aider à construire, pour pour avoir des aspects de blocs différents, pour avoir des choses plus jolies, plus fidèles à la réalité. Donc voilà, un jeu très très modulable, sans limite puisqu'on est sur un monde ouvert, quasi limité. Il y a des limites, mais pour les atteindre, il faut se lever tôt. Et simple, voilà, comme je vous le disais, simple parce que, premièrement simple parce que tous les jeunes connaissent. Donc quand on arrive dans l'atelier qu'on propose de le faire, ils savent déjà de quoi on parle et ils savent manipuler. Et aussi simple dans son principe, parce qu'on part d'un cube et on construit avec. Donc les conditions avaient l'air d'être plutôt bien réunies. Ça a donné lieu à un atelier hebdomadaire qui a lieu tous les mercredis après-midi depuis janvier 2016, où les jeunes s'inscrivent volontairement pour venir passer du temps sur Minecraft. Alors, passer du temps sur Minecraft, oui, mais pour faire quoi ? Quoi ? Et bien justement, refaire les quartiers de la ville qui vont être rénovés. Donc on part en promenade dans les rues, on regarde, on prend des photos, on regarde les bâtiments qui vont être démolis, on regarde les espaces. Eux, étant habitants de Chenôve, connaissent très bien leur ville, donc connaissent leurs usages, ont une expertise en tant qu'habitant qui est très développée. Et ensuite, on revient à la MJC dans l'atelier, et puis on reconstruit certains secteurs qui sont amenés à disparaître ou à changer. Et donc là, vous avez un exemple, une photo d'un immeuble de Chenôve qui a été refait comme ça. Donc ça, on est vraiment sur les débuts, les expérimentations de l'atelier. Donc voilà, un immeuble, par exemple, qui a été refait comme ça dans le jeu. Et donc là, tout un secteur, tout un quartier, avec, en fait, là, elle vient d'être détruite. Il y avait deux tours comme celle-ci qui étaient là. Donc dans le jeu, on démolit la tour et puis on imagine après, les jeunes imaginent ce qu'ils peuvent mettre à la place. Ce qu'il ne vous a pas dit, mais qui est hyper important, et c'est ce qui m'a intéressé évidemment dans le jeu, c'est qu'il y a une implication IGN, Institut Géographique National, dans Minecraft,
qui permet d'avoir n'importe quelle ville de France reconstituée à identique géolocalisée. C'est-à-dire qu'on a déjà Chenov sous les yeux. Non, Minecraft, tu me coupes l'herbe sur le pied, c'est peut-être pas suivi. Ah, c'est pas grave. Continue. Mais c'est pas grave. Donc moi, voilà, sur Minecraft, j'avais jamais utilisé, j'étais pas joueur, je connaissais, mais j'étais pas joueur. Mais comme je disais, les gamins, eux, pas de problème, ils connaissent. Donc c'est eux qui sont les experts. C'est-à-dire, moi, j'amène, en tant qu'animateur, l'accompagnement de projet, je rythme l'atelier, je fais en sorte que les étapes de leur projet et de leurs idées se succèdent bien, qu'on n'aille pas trop vite, qu'on n'aille pas trop lentement, qu'il y ait un avancement. Mais les experts du jeu, quand on a un problème, c'est eux qui trouvent les solutions, c'est eux qui proposent des choses. Et donc notamment ce que tu disais, Jacques, sur l'hygiène, ce qui permet après de développer au fur et à mesure l'atelier. Puis là, donc, on arrive à des choses plus poussées que ce que la photo que vous avez vue juste avant. Donc l'une des deux tours dont je vous parlais, c'est celle-ci qui vient de tomber. Et l'application effectivement hygiène qui permet de centrer une carte hygiène sur un carré de 5 km sur 5 km, de générer une carte Minecraft qu'on installe sur le jeu pour ensuite travailler dessus. Donc c'est un gain de temps phénoménal. Voilà. Ensuite, ils ont montré, ces jeunes, leur création directement dans la ville avec l'installation de panneaux QR code. Ils montrent leur projet, ils font des vidéos, on met les vidéos sur YouTube. Et pour que les habitants puissent les voir, installation comme ça en partenariat avec la ville, deux panneaux qui permettent avec un smartphone de visionner les vidéos des jeunes directement dans la ville. Comme ça, l'habitant qui scanne a la réalité autour de lui et a sur l'écran les idées des jeunes faites dans Minecraft. Donc avec, si je ne dis pas de bêtises, 5 panneaux comme ça installés dans la ville. Voilà, donc une vidéo, ça donne ce genre de choses. Donc là, on était sur le lieu d'un centre commercial qui n'est pas encore démoli, mais qui le sera bientôt, qui occupe toute cette zone-là, dans ce monde. Et donc eux, dans le jeu, ont imaginé qu'est-ce qu'on pouvait mettre à la place. Donc garder la fonction du marché, garder une fonction de parking avec un parking souterrain, parce qu'on ne voulait pas polluer visuellement les alentours, mettre un skatepark parce que c'est sympa, des jardins partagés, histoire d'amener un peu de nature. Voilà, donc on prend les idées et on les présente comme ça après sous forme de idées. Je passe ici, à la main peut-être. Voilà. Et voilà pour ma partie. Donc ça, c'est ce qu'a découvert Jacques. Voilà, donc j'ai découvert ça après mon stage d'histoire géo. Et j'ai découvert ça, j'ai dit, oula, là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et donc du coup, l'idée est venue, j'avais une classe de seconde en charge à l'époque. Seconde normale, générale, voilà. Et j'ai dit, on va essayer de monter un projet avec Kevin, et on a tenté de faire un projet qu'on va expliquer tout de suite, voilà. Donc, ce projet, je commence à faire un cours classique, et j'adore jouer, hein. Je suis un joueur, mais pas électronique. J'adore jouer, donc je voulais faire un cours assez ludique, tout est ludique autour de ce cours, et j'ai commencé par des satires, des dessins satiriques, comme ceci, de Batelier, qui est un dessinateur actuel. On montrait les problèmes urbains, voilà, donc les élèves, on travaille sur ces images. Par exemple, on a un naufragé de la route au milieu de, voilà, ça fait penser, on fait un peu d'art en même temps, Jéricho, les méduses, on montre qu'il y a des problèmes urbains de riches qui s'en vont, qui réintègrent le centre alors que les pauvres s'en vont, etc. Donc tous les problèmes urbains, classiques. Vas-y, continue, on peut passer. La thématique des espaces verts, avec un autre dessin toujours humoristique, donc les villes autrefois, les villes maintenant, donc la ville est devenue l'espace vert, mais la ville a grossi autour. Ensuite, on continue. Toujours des problématiques de ce genre, et puis on rentre dans la réalité de Chenov. Donc je leur montre ce que c'est qu'une zone urbaine sensible, avec des quartiers prioritaires, etc. Et tout le quartier du Mail, on est préparé à ce que c'est qu'un quartier sensible, pour après avoir des problématiques de géographie. Continue. Donc je remonte la composition socio-spatiale, ces documents qu'on étudie, vous voyez qu'il y a du ludique, puis du vraiment disciplinaire, on va dire. Donc la composition géosociale du quartier, beaucoup plus de chômage, moins de diplômes, etc. Et puis après, j'en montre une petite vidéo sur les problématiques, problématiques des élus, qui expliquent ce que c'est. Et la problématique, c'était le tram. Le tram va apporter dans cette ville. Donc, l'idée, ça a été de faire un travail divisé en deux groupes. Et il y a eu deux idées qui ont surgi. La première idée, c'était de refaire Chenov avant le tram. Donc, c'est lui qui s'est chargé de ça. Il a repris l'image. Dans Minecraft. Donc, il a refait Chenov dans Minecraft avant le tram. Et les élèves avaient pour mission de faire passer le tram dans Chenov. Mais ils n'avaient pas d'autres consignes que
que de faire passer le tram dans Chenov et de justifier leur choix. Et ils ont fait passer le tram dans Chenov, vous allez voir les résultats. Et les autres, ils avaient un centre commercial à détruire et à faire autre chose dessus. Et par contre, quand ce tram, ils l'ont fait passer, donc ils ont fait leur réalisation et après on l'a confronté avec la réalité du tram tel quel et avec l'urbaniste qui était là, le directeur urbaniste de la ville de Chenov, qui était là pour comparer leur travail à la réalité et pour voir les décalages qu'il y avait. Ça, c'était l'an dernier. Et on va passer des petits bouts et après on va présenter ce qu'on a fait cette année parce qu'il y avait plein de problèmes. Donc là, voilà, la vidéo du tracé du tram qui est sortie du travail avec cette première classe. Donc là, on est dans Dijon avec un arrêt de tram qui existe. Et ensuite, le trajet devait être imaginé à travers le jeu. Je vais passer la vidéo, on verra pas tout. Vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est très schématique. Hein, on reste sur Minecraft, sur quelque chose qui est public, pas forcément très détaillé. Mais l'essentiel dans ce genre de travail, surtout sur une demi-journée, c'est d'avoir au moins l'idée et les fonctions qu'ils veulent donner à l'espace. Et là, dans ce cas-là, d'avoir le tracé du tram. Donc voilà, des petites vidéos qui permettent de voir ce que ça donne. Alors si vous n'êtes pas dijonnais ou chenevelier, c'est sûr que tout ça, ça ne vous parle pas. Moi, je vois très bien où on est là. Hop, on passe. Voilà, alors retour d'expérience par rapport à ce premier atelier. Première chose à dire, c'est qu'il y a une bonne prise en main de Minecraft. Tous les élèves de seconde... Quand on demande aux élèves dans la classe qui sait jouer à Minecraft, voilà. J'ai quasiment les 80% des élèves qui savent jouer à Minecraft. Voilà. Moi, je ne sais pas. Donc, mais eux savent. Donc il y a différents niveaux d'expérience de jeu, avec certains qui ont joué puis qui ont arrêté, d'autres qui jouent occasionnellement, puis d'autres qui jouent encore et qui ont leur compte et qui continuent. Donc ce qui permet aussi de créer des coopérations dans les différents groupes avec un plutôt expert, avec quelqu'un qui l'est moins, et voilà, on essaye de faire cohabiter les expériences pour que tout le monde avance ensemble. L'autre avantage de ce genre de démarche, c'est qu'il y a une visualisation directe de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ils sont sur le jeu, sur ordinateur, et ils posent un bloc, il est là, ça y est, terminé. On voit qu'il est là, on voit qu'on l'a posé, et au fur et à mesure d'en poser des dizaines, des centaines, le projet monte au fur et à mesure. Donc, c'est parfois un petit peu laborieux, mais en tout cas, on est directement dans le... Alors, on est sur écran, mais on est quand même dans le palpable. On voit, on peut tourner autour de notre construction, voir comment ça s'inscrit dans le contexte, dans l'environnement. Donc plutôt sympa. Façon de faire novatrice, curiosité et intérêt, forcément, puisque je suis pas sûr qu'ils avaient déjà joué à Minecraft dans le cadre d'un cours de géographie, je ne pense pas. Donc voilà, quelque chose qui est nouveau, qui peut aussi intéresser, ne serait-ce que par ça. Donc une petite motivation supplémentaire d'être dans quelque chose d'innovant. Pour cette séance, la présence d'un professionnel de la ville et de l'urbanisme a été un plus, puisque ça a permis d'échanger entre leur travail et puis ce qui a été fait en vrai, donc c'est vraiment un plus là-dessus. Mais quelques petites difficultés quand même. Alors les petites difficultés sur cette première expérience, ça a été ce que j'ai appelé une phase de tâtonnement. C'est-à-dire que la classe est arrivée sur les ordinateurs et tout de suite, en fait, on leur a demandé, bah, voilà la zone, imaginez quelque chose à faire dessus. Le problème, c'est que donc ils sont en réseau, ils étaient tous en réseau d'ailleurs, tous ensemble, donc 7 ordinateurs en réseau, sur la même carte, et donc là ils ont un espace qui est à eux et il faut qu'ils en fassent quelque chose, sauf que ils sont lâchés un peu dans la jungle là, ils n'ont pas prévu finalement, ils ont conscience du cours de Jacques, de ce qui a été vu, des connaissances d'urbanisme, mais l'espace en lui-même ils ne l'ont pas réfléchi encore, donc ils posent les blocs, ils les détruisent, voilà, donc c'est parfois un petit peu difficile de trouver une cohérence entre le groupe qui commence sur cette zone là, puis celui qui est à côté, puis à un moment les deux projets se rencontrent, et puis ben là il faut qu'ils cohabitent les deux. Donc, voilà, une petite phase de tâtonnement qui a été parfois dure pour avoir une cohérence. Et puis une coopération difficile, mais je pense qui est liée au premier point. Quand les deux projets qui se côtoient viennent à se rencontrer et puis qu'on n'est pas d'accord, si en plus ce qui est arrivé dans un des deux groupes, si en plus il y en a qui ne s'apprécient pas forcément, on sort le bloc de TNT, et comme dans la réalité, la TNT, ça fait boum. Donc voilà, c'était pas forcément facile à gérer sur le deuxième groupe, cet aspect-là. Donc, nécessité de mettre des garde-fous, donc des systèmes de protection qui évitent de poser des blocs de TNT ou de les allumer, enfin, à réfléchir, en tout cas, bon de le savoir.
Donc à partir de ça, préparation pour une deuxième séance sur l'année 2018-2019. Qu'on vient de finir. Qu'on vient de finir, à l'instant, il y a 15 jours, en gros. Et donc là, c'est pas tout à fait fini, mais pas tout à fait encore, mais presque. Donc là, ce coup-ci, c'est une classe de première, L, artistique, option plastique. Et toujours pareil, j'ai dit, on va refaire quelque chose toujours dans Minecraft, mais un autre projet, et encore plus ludique, oui. C'est les mêmes, du coup, puisque non, c'est les secondes de l'année d'avant. Non, c'est pas le même lycée, parce que je suis des élèves, donc je bouge partout. Et voilà, donc c'est un autre lycée, d'autres élèves, et puis on prend. Donc je refais un cours, je dis, je vais faire encore plus ludique, on va essayer de faire du jeu de A à Z quasiment entre les deux. Alors du jeu comme ça, de base, et ensuite Minecraft. Donc ça c'est un jeu pour illustrer la théorie de Lush et Kestaler, c'est pour illustrer ce que c'est qu'une métropole, donc vas-y tu peux passer, tu vas accélérer. Donc un pays, il y a des animations, il y a un pays, il y a des agriculteurs, ces agriculteurs réfléchissent à poser des écoles dans leur pays de façon égalitaire, plus possible, donc ils mettent des écoles un peu partout, il faut qu'il y ait le moins d'écoles possible pour qu'il y ait le moins d'espace utilisé, puis ils continuent, après les enfants grandissent, il faut mettre des collèges, on met des collèges, etc., puis on obtient une hiérarchie, une ruche d'abeilles, c'est la théorie de Lush-Kestaler, donc on est passé par ce jeu-là pour leur montrer qu'en fait une métropole c'est quelque chose qui cumule les fonctions de l'agriculteur simple à l'école, au collège, au lycée, à la fac, etc., et qu'il y a des endroits dans l'espace qui restent des agriculteurs, des endroits qui sont avec des collèges et des écoles, ou des écoles, voilà. Et donc on a montré ce que c'était qu'une métropole. Définition de métropole par ce jeu-là. Ensuite on a continué. Ensuite je regarde par une chanson de Benabar, qui s'appelle Saturne. Le système solaire, Saturne s'appelle, donc c'est une chanson sur Paris en fait. Donc on écoute la chanson une fois, deux fois, on travaille sur ça, et là il explique un tas de problèmes de ségrégation socio-spatiale, de fragmentation de l'espace, tous ces termes qu'on utilise en géographie. Et à travers la chanson, on voit tout ça. Et en même temps, il y a des références culturelles. On continue. Et puis après, donc, du coup, on est allé chercher dans Dijon, on a fait des photos, de chercher tous les aménagements qui étaient destinés à empêcher les gens de dormir ou de s'allonger. Donc tous les aménagements anti-SDF qui sont faits exprès dans la ville. Donc on a fait un reportage photo, vous voyez, c'est encore une autre activité ludique pour montrer ce que c'est que cette ségrégation socio-spatiale. Donc on a vu des bancs de toutes formes, avec des arceaux pour empêcher de s'allonger. On a vu des zones avec des galets, des zones avec des pointus, etc. On a vu des plans inclinés sur les murs pour éviter de s'asseoir. On a vu, voilà, et ça encore, c'était un réduit où il y avait un SDF, puis ils ont construit un petit plan incliné sur le mur. Donc on a repéré tout ça dans des gens, on a pris des photos, on a fait une petite exposition sur ce travail-là. On continue. Ensuite, on est passé sur une autre phase, j'ai dit on va analyser la croissance périurbaine. J'ai pris une autre commune qui est à côté, qui est en périurbanisation, c'est Chemisin-Sauveur. Et j'ai fait des différentes périodes. Donc la période d'avant, c'était en 1940, il y avait 250 habitants. Et puis 30 ans plus tard, tu peux passer, on arrive à une ville qui s'agrandit, qui est passée à 14 000 habitants. Tout a changé. Donc on a étudié à travers des photos aériennes, etc. Donc on est vraiment dans le truc, c'est ludique, mais c'est pas du jeu, c'est vraiment de l'histoire géo. Et avec des photos aériennes, on a vu que les villes s'agrandissaient. Donc voilà, on a fait le cours de géo, continue. Cours de géo classique. Et quelques chiffres, des tableaux statistiques, donc on fait toujours le cours classique. Et puis après, on rentre dans l'aménagement. Et on leur montre différents types d'aménagements qui ont lieu sur cet espace de Chemisin-Sauveur. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une banlieue pavillonnaire? Donc on regarde, j'ai dessiné les piscines en bleu, j'ai mis les maisons qui avaient des panneaux solaires en jaune. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai repéré tout ça, j'ai travaillé par photo aérienne pour leur montrer ce truc-là. Et ils ont vu ce que c'était qu'une banlieue pavillonnaire. Ensuite, ils ont vu autre chose, ils ont vu ce que c'était qu'une zone urbaine, une zone d'activité industrielle. Donc, je vous montrais, une activité industrielle, des bâtiments, les axes, le rôle des axes, etc. Toujours ce Chemisin-Sauveur. Après, je les ai fait travailler sur deux projets à Paris. Donc, j'ai pris un dossier qui s'appelle c'est la Tour Triangle à Paris. Donc, ils avaient, la classe était divisée en deux. Il y avait quelqu'un qui avait un projet de la Tour Triangle défendu par les architectes de la Tour Triangle. Et puis, les autres, ils avaient le même projet vu par des écolos qui ne voulaient pas la Tour Triangle. Donc chacun travaillait sur les documents, ils ne savaient pas qu'ils avaient des documents opposés, ils ne savaient pas. J'ai fait exprès. Ensuite, j'ai fait croiser les élèves, je les ai mis en face, et j'ai dit, ben voilà, il y a deux points de vue opposés, il y en a un qui est pour, un qui est contre. Faites un débat là-dessus. Donc on a fait un débat, on l'a filmé, pour le débat, pour encore introduire de la notion de point de vue. On continue, donc ça va un peu plus loin. Et là, j'ai dit, maintenant, on va rentrer dans notre projet de Chenov, de Minecraft, sur Minecraft. Donc on va se poser les problématiques d'une ville qui veut se renouveler,
il y a deux espaces à renouveler, à Chenov, et on va constater les problèmes. Donc c'est une commune qui est en baisse démographique, qui voudrait rejoindre les habitants. C'est une zone urbaine sensible, ils ont un défaut d'image absolument terrible, parce qu'il y a des voitures brûlées, enfin, il y avait des voitures brûlées, il y avait un tas d'images négatives du quartier. Une commune qui veut donc redorer son image, c'est une commune qui est au début de la... qui veut se réapproprier la côte, c'est le début de la route des vins. Il y a Dijon qui vient de construire la cité de la gastronomie. 30 km plus loin, vous avez Beaune, vous avez toute la route des Grands Crus, et Chenov est la première ville sur cette route des Grands Crus, première. Mais la vigne à Chenov a quasiment pas disparu, mais elle est anecdotique. Il y en a encore, c'est anecdotique. Il y en a encore quelques-unes, mais la municipalité voudrait se réapproprier la côte. Donc je repense tout ça, on donne tout ça, tous ces points. Donc ça c'est la gastronomie. Il y a les actions autoroutières à proximité, vous avez tous les éléments. Maintenant vous avez tous les éléments, vous savez ce que c'est qu'une banlieue pavillonnaire, vous avez tous les éléments, vous avez la problématique urbaine, voilà, et voilà ce que la ville a besoin. On veut des logements, on veut améliorer l'image, on veut une fonction touristique envisagée, des emplois et des liens avec les espaces environnants. Allez-y. Parti. Donc voilà, ils ont eu à réaliser d'abord sur papier, sur deux zones d'aménagement, ils ont dû imaginer ce qu'ils allaient faire de ces deux zones à aménager. Donc là, je les ai amenés, c'est leur papier, mais tu les as pris en photo, on les a mis en photo. C'est pour les voir, je peux vous les faire passer. Donc c'est plusieurs groupes qui ont travaillé, c'est des groupes de 6, il y avait un leader qui gérait le projet et ils avaient à gérer leur espace. Il y avait deux espaces, un de 45 000 m² et un de 60 000 m². Donc il fallait qu'ils situent leurs espaces, qu'ils donnent et après qu'ils aménagent l'espace. Vous êtes passé par le papier à cause de l'expérience de l'avant. Oui, d'accord. Exactement. On est passé par le papier avant à cause de l'expérience d'avant. Là, les papiers circulent, mais voilà quelques images. Et donc il y a eu des projets remarquables. Des projets remarquables. Donc pour redorer l'image et pour aller... Il y en a qui ont imaginé un immeuble en forme de bouteille de 30 mètres de haut pour donner une image à la ville, pour marquer la route des vins et pour mettre dans un quartier avec un aménagement. Il y a eu d'autres projets. Vous allez le voir tout à l'heure en vrai parce qu'ils l'ont construit maintenant. Et voilà, ça c'est les projets qui circulent là, vous les voyez, donc ils ont fait un éco-quartier. Ils ont dessiné certains qui sont, comme ils sont dans la plastique, ils aimaient bien le dessin, ils ont cherché des trucs sur internet. Ça, ils ont fait ça à la maison, c'est en dehors du cours. Moi j'ai passé sur tout le cours, j'ai passé 15 heures de cours en tout, sachant que la séquence normalement doit faire entre 12 et 15 heures. Voilà, j'ai pas débordé beaucoup. Et ils sont arrivés à ces projets papier. Et après. Voilà, on est allé donc faire un Minecraft, réaliser ça. Et du coup, tous les problèmes qu'on avait eu avant de la première année ont disparu. Ils ont pu essayer de se faire sauter quelque chose, ils n'ont pas essayé de détruire l'autre. Ils avaient leur groupe et leur projet, et ils ont co-construit leur projet en réseau. C'est ça. Sachant que je n'y connais rien. Donc, très simplement, division encore de la classe en deux groupes, parce qu'on n'a pas 30 ordinateurs malheureusement à la MJC pour les faire travailler tous en même temps. Un groupe le matin qui va travailler à faire des enregistrements en voix off, donc écriture du texte et enregistrement en voix off avec du matériel radio qu'on a à la MJC. Donc Jacques a accompagné ce groupe-là dans la présentation de leur projet. Et l'autre partie de la classe était avec moi en salle informatique en train de réaliser les plans, mais dans Minecraft. Et puis l'après-midi, tout simplement, on inverse les groupes et c'est reparti. Et donc voilà ce que ça donne. Ça, c'était il y a 15 jours. Ça, c'était il y a 15 jours. Montez en vitesse pour vous. Et ça va continuer, parce que le projet continue après. Alors, je voudrais juste... On dira plus. Attends. Je vais juste essayer d'avancer un petit peu. Ça bug ? Voilà. Donc, tous les projets ne sont pas visibles là sur cette petite vidéo. Mais là, on est arrivé à un stade de développement, donc c'est sur 3 heures, hein, une demi-journée, 3 heures, les groupes en réseau. Mais on arrive à un résultat bien meilleur que ce qui a pu être produit avec le premier groupe, tout simplement parce qu'ils avaient déjà travaillé en amont à la réflexion sur papier. Ils étaient en réseau entre eux, à se coordonner. Moi je fais cette partie, moi je fais cette partie. Alors évidemment, certains qui sont plus à l'aise avec Minecraft que d'autres, mais peu importe, ça s'équilibre. On est dans un jardin partagé. Voilà, jardin partagé, espace de jeu, éco-quartier. Quand même une petite chose. Juste
Donc ça, c'est des immeubles qu'ils ont conçus en bois, etc. Ils ont travaillé éco-quartier, donc on sait éco-quartier, évidemment. Ils sont très sensibles à tout ça. Je peux pas avancer la vidéo comme ça. Alors, hop, il va juste y avoir une petite coupure. Je vais vous la montrer à partir d'ici parce que là, il ne veut pas. Toc. Est-ce qu'il va bien vouloir? Ah, je peux pas l'avancer. Je voudrais vous montrer la bouteille quand même. Et la serre. Parce que là, il va vouloir. Ah, j'ai pas le curseur, comment ça se fait? Voilà, ça va être bon. Ah bah, du coup, vous avez ma partie à moi, mais je pouvais pas changer. Donc, vous allez pouvoir le garder là. Voilà, donc la bouteille, par exemple, produite dans. Alors, avec un énorme problème, ça, c'est technique, hein. C'est que vous avez une bouteille de Bordeaux. Oh. Alors là, c'est vraiment c'est catastrophique. Mais... Pourquoi il y a encore de l'éducation à faire. Encore l'éducation plus courante à faire, etc. Il y en a d'autres. Enfin voilà, donc la bouteille, voilà, tout simplement dans le paysage, on peut voir ce que ça donne. Alors il faut savoir que dans Minecraft, la petite convention, c'est de se dire qu'un bloc c'est 1 m3. Voilà, donc 1 mètre, elle est grande la tour. Donc elle est grande. Et j'avance un petit peu sur l'autre projet. Voilà, donc là des serres, piscines et compagnie. Donc là c'est un projet de serre, de parc aquatique, etc. Voilà. Dans un espace de 60 000 mètres carrés, parce que la ville de Dijon ne dispose pas de ce type de parc aquatique. Les élèves ont tout de suite pensé à leur préoccupation à eux. Et donc ils ont pensé à ça. Et avec un éco-quartier sur lequel on arrive juste à côté. Une crèche existante qu'ils ont gardée, évidemment. Et puis l'implantation d'un éco-quartier juste à côté. Alors, il y avait d'autres projets qui ont été menés, que vous pouvez voir sur les plans que je n'ai pas intégrés à cette vidéo. Mais voilà, on peut voir qu'ils ont bien travaillé. Alors, il faut que je repasse maintenant en mode... Donc la suite du projet, j'en parle en deux mots, c'est que maintenant, c'est que ces vidéos sont faites. Et ils vont aller un soir, quelques élèves, pas tous, parce que là c'est le soir, rencontrer le conseil de vie citoyenne de Chenov et présenter leur projet. Ils vont donc être confrontés au public, aux citoyens de la ville, pour parler de leur projet. Donc ils vont devoir le présenter. Ils ont fait leur enregistrement en voix off pour dire Chenov se situe, etc. Ils vont présenter leur projet. Le projet permettrait d'avoir 100 logements, d'avoir 30 emplois. Ils ont chiffré tout ça et ils vont être confrontés aux citoyens de la ville de Chenov. Et il y aura le directeur urbanisme ou quelqu'un de la ville. Donc le projet va continuer jusqu'au bout, jusqu'à la présentation devant un public. C'est ça qui est important. Alors si on fait un petit retour d'expérience sur il y a 15 jours, voilà. Donc là, comme on a déjà pu indiquer, une bonne coordination sur les différents projets. Travail sur plan, ils étaient déjà tous bien au courant de ce qu'ils devaient essayer de modéliser. Pas de difficulté de coopération. Tout le monde sait déjà ce qu'il y a à faire, tout est déjà sur plan, donc il n'y a pas de difficulté à agencer les différents espaces, donc moins de problématiques de conflit. Mais quand même, une petite problématique. C'est un peu grand. C'est que c'est un peu grand. La petite problématique, c'est que c'est un peu grand. En fait, l'espace à aménager. L'espace à aménager, très très grand. Donc pour des raisons d'organisation, voilà, Jacques, dans sa classe, avait proposé à des groupes de 4-5 élèves de travailler sur un projet. Mais ce qui fait qu'en salle informatique, finalement, ils se retrouvaient à être seulement deux en réseau, donc deux ordinateurs en réseau, à travailler sur une très grande zone, en fait. Ce qui fait qu'en 3 heures, aménager toute cette grande zone sur deux ordinateurs, donc deux ordinateurs, c'est deux gugus dans Minecraft qui bougent et puis qui posent les blocs, c'est trop peu. Ce qui, je pense, peut-être, ce qui pourrait être bien, c'est un projet par demi-classe. Et comme ça, je peux mettre 7 voire plus élèves en réseau sur une plus grande surface, aussi grande que ça. Et là, ça serait plus facile. Ou autre possibilité, on réduit les groupes, même nombre, mais on travaille sur des plus petites surfaces. Voilà, c'est vraiment une difficulté qui fait que par rapport au plan, on voit des zones qui sont encore vides, tout simplement, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de tout aménager. Mais sinon, ça a bien roulé. Alors, ils savaient que c'était leur tâche finale. Au début du cours, j'avais dit, attention, c'est Minecraft, on va réaliser quelque chose dans Minecraft. C'était le début, tout début du cours, tâche finale complexe dans Minecraft, mais avant il y a eu tout le cours pour arriver à ça. Et la prolongation, c'est rencontrer les conseils de vie citoyenne et les habitants.
Alors, là, on va sortir un petit peu de la géographie. Et je vais vous parler d'autres, d'autres expériences qu'on a pu faire à la MJC autour de ce jeu vidéo. Et d'autres points qu'on n'a pas expérimentés, mais qui peut-être envisageables auprès de vous dans certaines de vos matières. On va voir justement un petit peu tout ça. Donc, quelque chose qu'on a expérimenté, notamment pendant des semaines de vacances à la MJC, c'est de faire des courts-métrages avec le jeu. La technique utilisée, c'est celle du machinima, c'est-à-dire utiliser le moteur d'un jeu vidéo, quel qu'il soit, pour faire évoluer des personnages dans un décor et raconter une histoire. Donc j'ai utilisé cette technique du machinima avec, avec Minecraft. Donc comment ça se passe? Beaucoup d'étapes pour réussir à le faire. Déjà, qu'est-ce que tu as envie de raconter comme histoire? Donc écriture d'un scénario. Il faut savoir que quand je dis court-métrage, on est sur du très court-métrage, puisqu'on est aux alentours de 5 minutes la vidéo. Mais 5 minutes de vidéo, ça demande pas mal de travail déjà. Donc écriture d'un scénario, qu'est-ce qu'on veut raconter? Qu'est-ce que le jeune veut raconter? Réalisation des décors. Donc là, une fois qu'on a l'histoire, les personnages, les lieux, on passe dans Minecraft et puis on construit. On prend les blocs et on construit tout le décor. On peut également, avec certains outils, changer l'apparence des personnages. Donc on peut imaginer faire un travail sur des costumes. Si j'ai eu le cas d'un jeune qui voulait faire une histoire avec le Père Noël, il a fallu déguiser le personnage en Père Noël. Donc il a fallu trouver ce qu'on appelle des skins. Donc c'est des apparences de personnages qu'il faut attribuer à nos personnages, tout simplement, pour que ça colle à l'histoire. Ensuite, coopération obligatoire entre les membres du groupe qui sont là pour jouer les acteurs. Alors en fait, on peut dire que les trois premières étapes peuvent se faire seules. Le jeune peut travailler tout seul de son côté sur son histoire. Mais à partir du moment où il va falloir tourner les scènes, là on va avoir besoin d'ouvrir les cartes créées, donc les cartes avec les décors, à d'autres ordinateurs. Si vous faites une histoire avec plusieurs personnages, il va falloir lier plusieurs ordinateurs pour que les autres joueurs évoluent dans le décor qui a été créé et fassent les personnages. Donc la coopération entre eux, comme metteur en scène celui qui a écrit le scénario. Alors toi tu joues tel personnage, tu commences ici, tu passes par ce chemin-là, et puis après il se passe ça. Et donc petit travail de metteur en scène à travers le jeu. On fait tourner comme ça les rôles en passant de scénario en scénario. Donc chacun passe du rôle de metteur en scène à acteur et on enregistre tout ça. On enregistre tout ça en faisant les prises de vue. Donc là, travail sur le cadrage, la lumière, les mouvements de caméra, la plongée, la contre-plongée, le travelling, le champ, le hors-champ, on peut travailler sur plein de choses. Donc en fonction de ce qu'ils veulent raconter, on réfléchit à tout ça. Enregistrement des voix-off et des textes des personnages, et puis je ne l'ai pas mis, mais on peut aussi travailler sur des effets sonores. Donc s'il y a des dialogues, les dialogues on les écrit. Une fois qu'ils sont écrits, on passe devant le micro, on les enregistre. Et on essaye de faire ça avec le plus de conviction possible pour que la voix du personnage soit crédible. Un travail sur le choix des musiques, en fonction de l'ambiance qu'ils ont envie de créer, en fonction de. Surtout ça, en fonction de l'ambiance qu'ils veulent faire ressortir de leur film. Donc on écoute des musiques, ça irait bien à ce moment-là, pourquoi, on réfléchit à tout ça. Et puis à la fin, le montage. Donc évidemment, on récupère tout ce qui a été enregistré en prise de vue, on enlève tout ce qui n'est pas bon, on garde les bonnes prises de vue, on met tout ça ensemble. On rajoute les voix off qui ont été enregistrées au montage, comme ça on a l'impression des personnages de Minecraft qui discutent entre eux. On rajoute la musique qui a été choisie, et puis on a notre court-métrage à la fin. Puis on peut imaginer encore plein de choses, puisque là... Alors ce que j'ai pas dit, je passe à autre chose après. Non, c'est ça. Si j'en ai un, je pourrais vous en montrer. Ce que j'ai pas dit, là on passe à la suite, je reviens un petit peu en arrière. J'ai eu des jeunes qui sont venus qu'un seul après-midi et ils sont partis avec leur court-métrage. Donc, la liste peut paraître longue, mais après, j'en avais qui restaient toute la semaine, tous les après-midi, et j'en avais peut-être un ou deux qui étaient là que sur un après-midi. C'est pas grave, on va faire le travail sur les 3 heures pour que tu arrives à repartir avec ton court-métrage. Donc là, on fait un film
C'est sûr, on n'est pas sur de la grosse production hollywoodienne, hein, vous imaginez bien, mais on est sur du scénario simple, avec un début, avec un événement, avec une conclusion. On a une histoire, en 3 heures, c'était bon. Alors, hop, je crois, je ne les ai pas intégrés au diaporama, mais je peux vous en montrer des vidéos. Je dois avoir ça là. Donc il n'y a pas de la géographie. Donc là, on n'est pas sur la géographie, là, non. Hop. Vidéo. Alors, Machinima, ici. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, tiens, on parlait du Père Noël, par exemple. Il faut que je quitte le diaporama. Hop. Voilà. Alors, les cadeaux du Père Noël. Elles sont. Donc là, tout ce que vous voyez à l'image, à part vraiment le décor, ça a été créé par, par les jeunes. Donc le traîneau, il a récupéré un modèle pour le faire. Les prises de vue qui essayent de montrer ce qui se passe. Les cadeaux qui tombent. Le choix de la musique, évidemment, vous aurez reconnu la thématique. Le personnage, on ne voit pas très bien là, mais personnage déguisé en Père Noël. La neige qui est mise en météo pour dire voilà, c'est bien l'hiver, on est sûr. Voilà. Oh non, il manque 5 cadeaux. Il faut que j'aille les chercher. Je crois être conviction. Après Père Noël part chercher les cadeaux, les retrouve, les dépose sous le sapin et happy end. Voilà. Alors, pour des raisons de timing, je ne vais pas vous montrer la fin, mais. Je voulais... Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. J'ai spoilé la fin. Hop, voilà. Donc, ça, première possibilité avec Minecraft, l'écriture de scénario, le machinima. Mais on a également d'autres possibilités, alors que moi, je n'ai pas expérimenté. Oh, pardon. Excusez-moi. Du coup, j'avais une question. Qui est-ce qui s'occupe du montage? Alors, j'associe un maximum les jeunes au montage. C'est-à-dire que quand ils sont là sur la semaine, ils font le montage quasiment de A à Z. Je leur montre les bases, ouais. Le logiciel. Donc, on a 3 ordinateurs où on a la possibilité de faire le montage. Voilà, je leur montre. Tous tes fichiers sont là, tu prends ce morceau, si tu veux récupérer un morceau, tu fais ça, tu te déplaces. Et après, je les laisse en autonomie. Et évidemment, je suis là pour débloquer si jamais il y a besoin. Mais autant que possible, c'est eux qui font le montage. Après, quand c'est sur un après-midi, là, il faut que j'accompagne un peu plus. Je l'accompagne un peu plus parce que le timing, le montage, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, si je veux que le jeune parte avec son court-métrage, je fais pas à la place, mais je suis bien derrière pour essayer d'avancer au plus vite. Et c'est quoi pour monter le logiciel, ouais. On a Adobe Premiere Pro sur un ordinateur et Adobe Premiere Element sur deux autres. Enfin, on est une MJC avec pas mal de multimédia, donc on a investi dans des logiciels professionnels. C'est important pour l'éducation nationale de trouver un partenaire comme ça, parce que sinon, on n'a rien. On n'a pas de première pro de l'éducation nationale. Ah, je l'ai fait acheter dans un collège, pour faire l'éducation aux médias. Alors, d'autres possibilités, personnellement, j'ai pas essayé, mais je sais que ça se fait. Apprendre les surfaces et les volumes avec Minecraft, pour un prof de maths. Allô. Non, oui, peut-être. Hop, voilà. Réfléchir à l'aménagement intérieur d'une médiathèque, d'une école, d'une salle de classe. J'ai discuté une fois avec un directeur d'école. Ça pourrait être pas mal pour travailler sur le climat scolaire avec les aménagements de classe, tout ça. Pourquoi pas? Ça s'est pas fait encore. J'ai un collège. Moi j'avais déjà fait ça, mais sans Minecraft dans le temps. J'ai créé un plan d'occupation du sol dans un collège, à la manière d'une mairie. Et on reprend le collège, on dit voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme espace dans ce collège. Et Minecraft, c'est là, super, l'outil est super, s'ils peuvent voir ce qu'ils ont imaginé. La géographie.
Pour une autre matière, on peut imaginer en cours d'histoire reproduire une cité médiévale, reproduire le château, un monument historique, ou reproduire le lieu d'une bataille, par exemple, enfin, voilà, histoire d'aller un peu dans l'immersion, et puis de pouvoir faire évoluer son personnage dans ce genre de décor qui n'existe plus ou dont on n'a pas accès, auquel on n'a pas accès. En français, pourquoi pas refaire une scène d'un livre. On lit une nouvelle, on lit un livre, puis on prend une scène et on essaie de la reproduire dans Minecraft, pourquoi pas avec la technique de Machinima que je vous ai montrée juste avant. En technologie, possibilité de travailler sur tout ce qui est programmation et les schémas logiques en électricité. Donc il y a dans Minecraft ce qu'on appelle la redstone, qui est en fait un équivalent de l'électricité, qui permet de faire des systèmes automatisés avec des choses à actionner, qu'on peut faire évoluer selon certaines situations. Voilà, on appuie sur une dalle, il se passe ça, si on n'est pas sur la dalle, il se passe ça. Donc on a les schémas logiques, si, voilà. Donc on peut tout à fait travailler là-dessus. Et puis, tout ce qu'on peut imaginer, puisque Minecraft, l'idée c'est qu'on a des cubes et on en fait ce qu'on veut, donc après, libre cours à l'imagination. Donc à vos questions. Voilà. Essayez de tenir le temps. On est pas mal là, 10 minutes pour les questions, super. Pour vos suggestions, vous pouvez rajouter n'importe quelle langue vivante à votre suggestion sur le français. Oui, c'est vrai. Prendre un texte et puis le mettre en scène dans le jeu. Un peu, mais n'importe quelle langue peut aller dans n'importe quel projet. Vous avez des questions techniques, c'est pour lui. Oui, c'est une question très pragmatique, mais du coup Minecraft est en ligne ou comment les élèves en fait qui ont accès Alors Minecraft, vous devez acheter une licence qui est liée à une adresse email, et ensuite vous pouvez installer Minecraft sur n'importe quel ordinateur, et une fois qu'il est installé, vous vous connectez avec le compte sur lequel vous avez acheté la licence. Donc en théorie, vous pouvez avoir une seule licence et allumer Minecraft simultanément sur plusieurs ordinateurs. Mais vous ne pouvez pas les mettre en réseau. Voilà. Parce que forcément, à partir du moment où vous voulez lier plusieurs ordinateurs ensemble, il faut que les identifiants des personnages soient pas les mêmes. Donc si c'est le même compte, ça ne marchera pas. Voilà, tout simplement. C'est 24 euros, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme ça. Donc cette licence, c'est mieux. Sachant que dans les classes, si vos élèves sont coopératifs, est-ce que vous avez un compte Minecraft? Très ouais, bien. Est-ce que tu peux rentrer des... Voilà. Il y en a plein qui ont des codes Minecraft, c'est arrivé. Un quart. C'est arrivé. Alors, pour les Mardor, pas pour les classes de janvier, mais pour les Mardor, voilà, il manquait une licence pour avoir un ordinateur de plus, et un élève qui a rentré ses identifiants, et puis c'était là. Voilà. Le retour de la ville, est-ce qu'il y a moyen qu'ils sélectionnent une partie de projet qui est quelque chose de concret ou pas, au niveau des espaces de jeunes par exemple? Je pense que non, parce que là il n'y a aucune question de budget. Non, on ne parle pas de budget, la serre, la bouteille, il n'y a pas de question de budget, donc on n'a pas mis de conditions financières dans ce projet. On pourrait, donc ça contraindrait encore plus les élèves. Là, on a voulu laisser la créativité par rapport à la problématique de revaloriser la ville, de faire tout ça. Donc on a laissé libre les questions budgétaires. La municipalité n'a pas l'air d'être d'accord pour un skatepark ou ce genre de alors, choses. Bah, la marche, c'est là-dessus que je voulais revenir. En fait, quand on a lancé l'atelier à la MJC, l'idée, c'était pas de dire aux jeunes ce que vous avez conçu dans Minecraft, ça va se retrouver en vrai. Ça, clairement, il faudrait leur dire... non. Là, j'allais faire des déçus. Là. Mais voilà, c'était clairement annoncé. Vous réfléchissez à un espace et vous mettez les fonctionnalités que vous voulez sur cet espace. C'est vraiment ces fonctions d'espace qui sont importantes à retenir. Sur un projet de la tour qui a été démoli, quand ils ont réfléchi à quoi faire à la place, ils ont appris qu'un centre commercial juste à côté allait être démoli. Et ils se sont dit, mais alors attends, le centre commercial, là, mais moi je vois ce magasin pour m'acheter des bons becs et puis ma bouteille d'Oasis pour la journée. Si ça n'existe plus, j'ai plus nulle part où aller. Bon, bah, on met une fonction de commerce, on met un commerce à cet endroit-là, à la place de la tour, juste à côté, parce que moi je passe par là pour y aller. Et donc, du coup, c'est vraiment les fonctions de l'espace qui sont importantes à retenir, plus que l'aspect du bâtiment, sa hauteur, sa taille, tout ça. C'est eux, en tant que jeunes habitants de la ville, qu'est-ce qu'ils voudraient pouvoir faire dans cet espace. C'est surtout ça qui est important. Alors si sur du concret, il y a un groupe de trotty riders, donc des jeunes qui font de la trottinette,
qui suggérait de refaire une rénovation d'un skatepark complètement obsolète. Dans leur projet, pour avoir une visualisation et le porter devant la mairie, ils ont demandé au groupe Minecraft, à partir des plans, de modéliser leur idée de skatepark et de voir un peu comment ça pouvait s'inscrire dans le contexte. Et voilà, ils ont présenté à l'aide de ces supports-là. Alors, ce n'est pas le plan qui a été retenu, mais ce n'est pas grave. Mais dans 3 mois, à peu près, il y aura l'inauguration de ce skatepark, puisque le projet allait au bout, a été porté devant la mairie, le budget voté, et donc... Et c'est géolocalisé, donc c'est l'emplacement qu'ils ont choisi, il est là, il est dimensionné, et voilà, c'est carré. C'est pas SimCity. C'est pas SimCity, non. C'est ça le truc, c'est pas SimCity. C'est géolocalisé. D'autres questions, d'autres remarques? Ça vous intéressait? Oui. Oui, c'est bon. Il n'y a aucun des gamins qui va le présenter en TPE ou qui va... Non, en TPE, non, ils n'ont pas choisi ça. Et puis, je n'ai pas la classe de première année, je n'ai pas en TPE. Ça. J'ai une autre classe en TPE, donc ils n'ont pas... Parce que ça aurait été un projet... Ça aurait été très bien, oui, ça aurait été très bien. Mmh. Oui. Est-ce qu'il y a une partie du projet qui rejoint peut-être un peu aussi le MC sur finalement la prise de décision? À un moment, vous avez dit qu'il y avait un leader, un groupe qui dirigeait, mais est-ce que, j'ai envie de dire, cette dimension a été proposée aux élèves, de comment on prend la décision? Est-ce que justement on met un leader qui va décider tout, qui va trancher? Est-ce qu'on a un système en place plus démocratique? J'en sais rien. Est-ce que ça a fait débat, ça? Alors ça n'a pas fait débat parce que je les ai fait s'asseoir, j'ai fait des groupes de 5-6, je les ai fait s'asseoir naturellement, ils sont assis par groupe naturellement, et celui qui était au bout était le leader. Il ne savait pas qu'il allait l'être. Ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai dit, toi, ben, c'est toi qui va gérer l'atelier en disant, voilà, ben, c'est toi qui vas avoir à le présenter. Je n'avais pas désigné un leader. C'est celui qui s'est assis à cette place-là qui s'est retrouvé le leader. Désignation par tirage au sort, finalement. Oui, voilà, c'est tirage au sort, mais un tirage au sort par affinité quand même. C'était dans un groupe d'affinité. Après, dans la discussion, souvent, c'est un autre qui prend le relais. Hein, mais bon, il ne faut pas s'affoler. Mais... C'est comme ça que ça s'est passé. On voit aussi après en atelier sur les ordinateurs ceux qui ont plus de facilité avec le jeu, évidemment prendre plus les commandes que d'autres. Enfin voilà, il y a forcément des rôles qui se répartissent un petit peu comme ça. On essaie de faire en sorte que tout le monde. Mais quand on a fait le projet du tram, je me rappelle très bien, il y avait un groupe qui. Il y avait des débutants en Minecraft, et moi j'ai encore moins. Bien plus débrouillards que moi, qui s'étaient penchés sur l'arrêt de tram. Alors ils ont fait que ça, ils ont fait l'arrêt, ils ont construit l'arrêt, donc c'était une fille qui s'occupait de ça, je crois. Elle a mis beaucoup de verdure, beaucoup de choses, donc un bel arrêt de tram, et après on a multiplié les arrêts de tram. Un copier-coller. Voilà, un copier-coller. Sauf qu'ils avaient prévu qu'un arrêt au début, qu'un arrêt à la fin, ils n'avaient pas prévu d'arrêt au milieu, et donc là on a vu, avec l'urbaniste, que là il y avait un problème dans leur pensée, ils n'avaient pas pensé à desservir le milieu. Le milieu. Voilà. Ah. Merci. Donc on a vu tous les problèmes, hein, les problèmes sont ressortis après. Alors l'avantage c'est que les gamins, à la fin de mon cours de géographie, je parle, ils ont pris conscience de tous les problèmes, de la problématique urbaine. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Et le fait d'après de présenter ça devant des adultes, etc., ben j'ai gagné, mon cours est gagné. Enfin, j'ai pas... Et en même temps, ils ont joué leur tâche finale, c'était de faire ce projet dans Minecraft. Est-ce qu'il y a des retours des élèves par rapport à leur façon d'appréhender leur ville, leur espace, suite à ça ou pas... Ah si, parce qu'ils ont vraiment réfléchi sur ce que... Alors, Chenov, c'est pas forcément la ville où ils habitent, hein, plus ça, ils habitent à Dijon ou ailleurs, hein, mais ils ont pris conscience qu'il y avait des problèmes et que, voilà, cette idée de la serre, et notamment de la piscine, hein, c'est arrivé parce qu'ils se sont aperçus que sur l'espace dijonnais, il n'y avait pas ça, et que ça pourrait être bien pour Chenov, qui est une zone en difficulté, d'avoir ce bâtiment-là. D'autres ont imaginé, on l'a pas vu là, une sorte de grand musée, ils ont beaucoup dans le culturel aussi, dans les beaux quartiers, ils sont très sensibilisés à ça, hein. Ils ont imaginé un grand musée, mais un musée de street art, avec un parc devant le musée, qui sur un grand boulevard qui donne sur ce parc, pour redorer l'image de la ville, avec plein de murs comme ça, qui allaient jusqu'au musée, et ce mur servirait à faire du street art.
en lien avec le quartier justement un peu défavorisé où il y a des tags, etc. pour essayer de voilà. Et puis ils ont fait un skatepark. Ils avaient imaginé un skatepark à côté. Juste, je te coupe, mais le ce qui était drôle, moi ça m'a fait rire en tout cas. Ça me fait, le bâtiment du musée me faisait vraiment penser à Moulinsart. Oui, c'est vrai. C'était petit château très classique, très classique et tout. Et dedans mais le skatepark. Le dessin, il est là. Le dessin du palais. Hein. Oui, on l'a vu. Vous l'avez vu le dessin du palais? C'était ça, je me suis rendu. Oui, il est passé peut-être dans les dessins. Ah oui, non, c'était pas ça. Je ne sais pas où sont les feuilles, non. Mais. Ah. Je ne sais pas si elle palais de là ou pas. Je ne sais pas si je l'ai amené ou pas. Non, c'est pas ça. Non, il n'y est pas, vous pas. Non, mais on l'a vu. Je crois que c'est dans la vidéo qu'on a vu à un moment donné. Ah, peut-être. En tout cas, bon, ils avaient fait un palais. Un musée de street art. Donc, vous voyez, ils ont des idées qui sont. Ils ont des idées qu'on ne veut pas forcément avoir. Au début, c'était parti sur un musée botanique, tout ça. Et puis, bon, musée botanique, c'est pas terrible. Et, bon. Et après, ils ont dit, ah ouais, comme ils sont en art plastique, en plus, le street art, ça les a. Ça leur parle. Je veux dire, ça, c'est une bonne idée, hein, aussi. Et du coup, sur la partie financement, parce que là, vous êtes en partenariat, mais. Alors, on a passé une convention. Ouais. Donc, le lycée a passé une convention avec le lycée. Et ça m'est revenu à 200 euros la journée. Pour tout le matériel, l'animateur, etc. Donc, je vais monter mes tarifs, Jacques. Voilà, mais bon, 200 euros, c'est rien pour les adolescents, pour le lycée, c'était rien. Enfin, pour un collège, c'est peut-être pas pareil, mais pour un lycée, c'est pas grand-chose. Et puis là, on est sur un atelier maintenant qu'on connaît. C'est-à-dire que, première fois, effectivement, on a passé beaucoup de temps en préparation, à réfléchir comment on pouvait le mettre en place. On a réfléchi derrière sur les limites qu'on a pu voir, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Là, on a trouvé que ça marchait plutôt pas mal maintenant. Donc, on va, si on souhaite recommencer, et ça sera certainement le cas, on va recommencer. On va passer beaucoup moins de temps en préparation, tout ça. Donc, il n'y aura plus que la venue finalement de la classe quasiment à la MJC pour la réalisation finalement qui serait facturée finalement. L'idée aussi, alors pour le moment, vous avez compris, c'est les élèves qui se déplacent à la MJC, tout simplement pour les questions techniques, on a les PC, on a Minecraft. L'idéal, c'est sûr, ça serait un atelier mobile. Donc j'ai une valise avec une dizaine d'ordinateurs dedans, avec Minecraft qui sont installés dessus. Puis après, je déploie dans le lycée ou dans le collège, même école primaire, on peut imaginer. Et puis voilà, l'atelier se déplace. Mais on n'a pas encore le financement pour ce genre d'activité, mais c'est vrai que c'est plutôt que voilà, faire venir à chaque fois une classe, ça demande beaucoup de logistique, beaucoup de papier aussi, beaucoup de choses. Donc, à penser, à réfléchir, cet atelier mobile. Voilà. Ah oui, parce que atelier mobile, pourquoi? Tout simplement parce que dans les salles informatiques avec les pare-feux d'académie, Minecraft, c'est pas toujours évident. Alors, vous pouvez le mettre sur un PC tout seul, mais pour mettre en réseau, en jeu les ordinateurs, ça va être. Un peu plus compliqué. Donc le mieux c'est d'avoir une structure extérieure. Voilà, je crois qu'on arrive à l'heure. Il y a une pendule là-bas qui nous indique que c'est la fin. Merci de votre attention. Merci. Bon plaisir. Et on retourne à 10 jours.